Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce mercredi 23 mars, révocation d'un directeur général de SAS, frais professionnels engagés au titre du télétravail en 2021 et licenciement disciplinaire, motif invoqué dans la lettre de rupture. Vie des affaires en ouverture de ce JT avec l'affaire suivante. Le directeur général d'une société par action simplifiée ou SAS est révoqué de ses fonctions. Considérant que cette révocation est intervenue sans juste motif, il assigne la société en vue d'obtenir des dommages et intérêts. Selon le dirigeant, puisque ses statuts ne dispensent pas à la société de justifier d'un juste motif pour procéder à la révocation, cette décision ne peut intervenir que pour un juste motif. La Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause. Les conditions de révocation des dirigeants de SAS sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités. Dans cette affaire, les statuts stipulent que les dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'Assemblée générale ordinaire des associés, sur proposition du président. Il ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l'existence de justes motifs, constate le juge. La société pouvait donc révoquer le directeur général sans avoir à justifier d'un juste motif. En 2020, de nombreux salariés ont été amenés à télétravailler en 2021 et ont engagé des frais professionnels rendus nécessaires par cette organisation du travail. C'est pourquoi le ministère de l'Économie a décidé de reconduire les mesures exceptionnelles mises en place l'an dernier concernant le traitement fiscal des frais professionnels engagés à ce titre. Ainsi, les allocations versées par l'employeur couvrant les frais de télétravail à domicile sont, quelle que soit leur forme, exonérées d'impôts sur le revenu, dans la limite de 2,50 euros par jour. 50 5 euros par mois et 580 euros par an. Par ailleurs, pour les salariés ayant opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, les frais professionnels engagés au titre du télétravail pourront être déduits forfaitairement à hauteur des mêmes montants ou pour leur montant exact si cela est plus favorable. Des précisions sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions spécifiques seront prochainement données sur le site impots.gouv.fr. On termine avec une petite histoire de licenciement disciplinaire. Un salarié est promu en qualité de directeur d'exploitation générale. Mais un an plus tard, l'employeur constate que cette promotion est un échec. Il reproche au salarié une insuffisance de résultats et des difficultés de management. Dans un premier temps, l'employeur engage une procédure disciplinaire et inflige une rétrogradation au salarié que ce dernier refuse. L'employeur opte alors pour un licenciement pour insuffisance professionnelle et donc pour un motif non disciplinaire. Pour le salarié, l'employeur s'étant engagé dans la voie disciplinaire, il ne pouvait plus en sortir. Son licenciement prononcé à la suite de son refus d'être rétrogradé ne pouvait être selon lui qu'un licenciement pour faute. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. De fait, le Code du travail prévoit que la lettre par laquelle l'employeur notifie le licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs de rupture. Il en résulte que c'est le motif de la rupture mentionnée dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement. L'employeur pouvait donc parfaitement changer son fusil d'épaule après l'échec de la rétrogradation et prononcer un licenciement non disciplinaire. La seule question qui se pose alors est de savoir si l'insuffisance professionnelle invoquée dans la notification du licenciement était avérée et justifiait la rupture du contrat de travail. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve demain, jeudi.